Good evening. I'm Stephanie Strand, standing outside the plenary space of General Council 43. Earlier today, I did my sign-off message, but following a speech from Paul Douglas Walfall, as well as a proposal that came from a youth commissioner, some conversation came forward about racism and privilege within the United Church of Canada. Bonjour, on est de retour. Je sais, j'avais fait ma vidéo de fermeture, la conclusion, mais quelque chose de totalement inattendu s'est déroulé. On a eu un discours d'un de nos partenaires parlant d'internationaux. Et à la suite de ça, on a repris les discussions et une proposition qui est arrivée et qui a conduit à un moment assez exceptionnel. Moderator Jordan Cantwell made space for racialized and marginalized individuals to come to the microphone and speak about the stories of what they've experienced within the United Church of Canada. We heard many stories from Indigenous peoples, intercultural observers, and everyone who has experienced any sort of racism within the United Church of Canada. Privilege came up as well with what we have experienced this week. This has been an underlying topic since the beginning of the Festival of Faith here at General Council 43, and it was only a matter of time that this conversation came to the surface and allowed people to discuss what they have been experiencing within their own church. Une proposition est arrivée et très rapidement, ça s'est transformé en une série de témoignages très très émotif, très personnel sur les questions de discrimination, de racisme. On a eu des gens, des autochtones, des personnes racialisées. On a eu des gens d'un peu partout qui sont venus partager ces histoires-là. On en a eu pendant 2 heures. Et c'est comme si le thème était là toute la semaine, puis qu'on a dansé autour, qu'on n'a pas voulu aborder ça en fond. Et comme ça a été un moment où ce que notre modératrice a consciemment mis de côté toutes les procédures, le business, je pourrais dire, excusez là, les anglicistes, là, c'était un peu, j'étais encore un peu ému, a mis ça un peu de côté et pendant 2 heures, on a entendu ces voix marginalisées nous raconter leur histoire, leurs souffrances, leurs blessures. C'était incroyable. Discussing the emotion that was brought up in that room really doesn't do it justice. As individuals who are migrants to Canada, and this is their United Church, I really highly recommend that you take the time to sit and watch the live stream recording to see the emotion that was conveyed from the individuals who spoke in the plenary as well as those who were witness to what was said. Les débats étaient diffusés en direct sur YouTube et je vous invite à aller voir les 2 dernières heures des travaux. La majorité des interventions sont en anglais, il y a quelques interventions en français, mais peu importe si vous comprenez ou ne comprenez pas l'anglais, l'émotion, ça c'est un langage universel, l'émotion de ces gens-là était tellement touchante, c'est 2 heures, vous ne regretterez pas, je vous jure, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui peut, je l'espère, le début d'une transformation, le début de quelque chose de nouveau et de profond à travers l'Église unie du Canada. Thank you for joining us tonight and signing off from General Council 43. I'm Stephanie Strand. Merci d'être là, merci de nous écouter et à très bientôt.